Il y a un truc là. Salut. Vous avez gros ou des ailes, faites gaffe à vous. Ah oui, j'ai vu ça. Alors ça coûte super super cher. Enfin ça vaut rien, ça se vend, mais bah c'est pas compliqué. On va. Ah oui, enfin il me faudra un vendeur. Monsieur, vous avez l'air d'être vendeur. Oui. Sombre salutation. Voilà. Je viens de gagner 1500 pièces d'or avec ça, hein. J'ai un excellent tailleur à vous conseiller. Donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa ce genre de récompense. Bon. Ok. Allons-y. Après, on peut regarder un peu les quelques quêtes là, mais pour faire simple, je prends que celle, voilà, celle-là comme ça, qui octroie des points de réputation. Ouais, donc celui-là en plus je l'avais déjà fait hier. Donc c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Là il y a un petit peu d'animal là, ça serait bien de le faire, mais. Bon, pas mal d'anima et un peu de réputation quoi. Alors, ici. Là, ici, il y a une course à faire, une course de chariot. Je l'ai faite hier soir. Bon, je l'ai faite hors caméra du coup. Hein. Mais pour faire simple, le départ, il est là. Faut parler à ce personnage. Pour garder le dessus. Utilisez les réserves d'anima que vous trouverez pour réveiller nos alliés et anéantir nos oppresseurs. Bon, voilà. Et, évitez d'attirer l'attention. Pas sur moi. Faut parler à lui là, lui dire je suis prêt et faut faire une course de chariot. Qui dévale toute la pente là et qui va jusqu'à voilà jusqu'à un fanion arrivé de l'autre côté. Pour Bon. garder le dessus. Utilisez les réserves d'anima que vous trouverez pour réveiller nos alliés et anéantir nos oppresseurs. Attendez, je l'ai passé? Exact. Attendez. Fallait par où? Excusez-moi, je me suis trompé. Attendez, que je dis pas de bêtises. Faut remonter. Non, c'est pas à ce niveau-là, c'est encore plus bas. Voilà, c'est là. Voilà. Et en bas, là, en contrebas, normalement, on devrait le voir. Voilà, l'arrivée est là-bas. Si vous voulez faire cette course-là, voilà, il y a parfois la quête se met et ça vous rapporte, je crois, des points de réputation.
Denatrius a beaucoup de partisans dans le quartier du Calice. Il ne faut pas les laisser s'organiser. Allez sur leur territoire et montrez-leur quelle est la force de ton fils. Ok, et deuxième objectif, faire un carnage donc. Allez, on se fait aider, c'est cool. Ça, ça va se faire petit à petit. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse... les fameuses bannières. Ah. C'est ça, les fameuses bannières. Du coup, on va s'orienter là-dessus. Et on tue sur notre passage. Pour faire le, carnage. Pas trop, il y en aurait d'autres. Là-bas, visiblement. Oula, d'accord, ok. Il y a pas mal de mobs par là. Attendez. On va passer par ailleurs.
Bien. Il nous reste la dernière bannière à poser. Du coup, je pense qu'elle est à l'opposé. Elle est là-bas. Et zut, bien sûr, elle est restée plantée là-bas. Le prince sera sous bonne garde. Je vois pas trop en quoi ça a aidé. Enfin, ouais. Attendez. Hop. C'est. Ouais. Et qu'est-ce qu'un humble prince déchu peut faire pour vous aujourd'hui? La contexte moissonneuse du désir. Intéressant. Son esprit est plus affûté que la plupart des épées, et bien que je ne l'ai jamais vu porter une arme, soyez assuré qu'elle est toujours bien protégée. Son manoir au nord-est du château Natria fait pendant du mien. Hein? Bon. Elle règne sur la province du château où elle tient la bride à la noblesse. Elle accueillera favorablement un message secret. Je vais donc dépêcher un purotin pour vous aider à vous inviter à la fête. Retrouvez-le sur le pont des tentations. Bonne chance. Ça me paraît sympa comme mission, ça. Le haut percepteur est une brute doublée d'un lâche, comme tous les moissonneurs de l'envie avant lui. Décidément. Il reste cependant une force que nous ne pouvons ignorer. J'ai donc envoyé Nadja et Temel tombe fierté pour déterminer le moyen le plus sûr d'arriver jusqu'à lui sans effusion de sang. Allez les rejoindre, mais restez sur vos gardes. Le haut percepteur n'hésitera pas un seul instant à vous tuer si cela peut lui rapporter une once de pouvoir ou d'autorité supplémentaire. Euh,
Le médaillon de la colère se trouve entre les mains de la puissante Créalite, à qui la Légion de Pierre doit son existence. Une approche trop subtile n'aura aucune prise sur elle. Je me vois donc au regret de vous confier une mission très dangereuse. Acceptez-vous d'aller rencontrer le général Draven à la porte de la damnation? Nous devons convaincre la Créalite de l'importance de notre démarche pour qu'elle accepte d'assister à la rencontre, ce qui signifie que vous allez devoir vous présenter à elle par la grande porte en compagnie de Draven. Ok. Nous sommes condamnés, mais nous nous battrons. Attendez, j'en vois un là. Ah, il y en a un là. Attention de la comtesse. C'est lui, c'est elle la plus proche, hein. Ouais, c'est elle. Du coup, on va commencer par la comtesse. Ouais, j'ai l'impression que c'est à 900 mètres chacun, donc bon. Allez, c'est parti. Bah alors. Je suis bien passé tout à l'heure. Voilà. Mince. J'ai bougé avant. Denatrius a beaucoup de partisans dans le quartier du Calice. Il ne faut pas les laisser s'organiser. Allez sur leur territoire et montrez-leur quelle est la force de ton vice. Ah. Denatrius a beaucoup de partisans dans le. Ah oui, c'est vrai, il va se répéter beaucoup ici. Il ne faut pas les laisser s'organiser. Du coup, allez comment sur je fais? Leur territoire et montrez-leur quelle est la force de ton vice. Va falloir que je chute. Denatrius a beaucoup de partisans dans le quartier de Calice. Il ne faut pas les laisser s'organiser. Nul ne peut douter du maître. Et montrez-leur quelle est la force de ton vice. Bon, je vais pas faire l'expédition, hein. Je me sors caméra. Votre arrogance souille notre royaume. Surtout que je vous avouerai l'avoir déjà fait hier soir, ça. Je peux douter du maître. Votre arrogance souille notre royaume. Votre arrogance. Ah bordel, elle est décidément, ouais.
Faut que je parte après plus au nord. C'est bon. Hop, attendez, on va. Et je vais utiliser le mammouth parce que je me fais moins moins désarçonné quand je suis en mammouth. Nul ne peut douter du maître. Thénatrius a envoyé sa légion de pierre au quartier des Red Laves dans le but de couper nos communications. Abattez les saboteurs de pierre et faites le nécessaire pour que nos messages arrivent à destination. Thénatrius a envoyé sa légion de pierre au quartier des Red Laves dans le but de couper nos communications. Abattez les saboteurs de pierre et faites le nécessaire pour que nos messages arrivent à destination. Et merde. Comment j'accède là-haut ? Ok, je crois avoir compris. Allez, on retraverse. Thénatrius a envoyé sa légion de pierre au quartier des Red Laves dans le but de couper nos communications. Abattez les saboteurs de pierre et faites le nécessaire pour que nos messages arrivent à destination. Thénatrius a beaucoup de partisans dans le quartier. Nul ne peut douter du maître. Il ne faut pas les laisser s'organiser. Allez sur leur territoire et montrez-leur quelle est la force de ton vice. Thénatrius a envoyé sa légion de pierre au quartier des Red Laves dans le but de couper nos communications. Abattez les saboteurs de pierre et faites le nécessaire pour que nos messages arrivent à destination. Est-ce que vous croyez que je peux... Thénatrius a beaucoup de partisans dans le... Oh, tais-toi, la ferme! Il ne faut pas les laisser s'organiser. Allez sur leur territoire et montrez-leur quelle est la force de ton vice. Thénatrius a envoyé sa légion de pierre au quartier des... Il me saoule, il me gonfle. Comment je peux faire? Je pensais que c'était par là. C'est pas par là.
Attendez, je suis où là? Je suis là. Du coup, je pensais que je pouvais passer comme ça. Mais non. Du coup, en fait, il aurait fallu que je continue tout droit et prenne ces escaliers-là. Ça, en fait, il faut que je prenne ça. Oui, je prends ces escaliers-là, puis ceux-là. Puis ces escaliers-là, puis là, là je devrais arriver à cette cour-là. Puis de cette cour-là, je peux utiliser le pont. Donc il faut que je continue. Tant pis, on rebrousse chemin, hein, je peux pas utiliser. Ah, attendez. Denatrius a beaucoup de partisans. La dans ferme le... Il ne faut pas les laisser s'organiser. Allez sur leur territoire et montrez-leur quelle est la force de ton vice. On peut le désactiver, Denatrius, ce truc-là ou pas? Parce que je vous jure qu'il me tue à répéter toujours les mêmes phrases. Dès qu'on passe d'une zone à l'autre, l'expédition s'active et du coup, c'est par là. Hein. Oui, c'est par là. Les réceptions entre nobles sont aussi un moyen de maintenir un semblant d'ordre. Prenez l'apparence d'un purotin et veillez à occuper nos ennemis avec assez à manger et à boire. Nous devons toujours nous battre pour garder le dessus. Utilisez les réserves d'anima que vous trouverez pour réveiller nos alliés et anéantir nos oppresseurs. Eh ben, ça aurait été quelque chose. Vous avez le droit d'être en Ravendress, vous? Qu'est-ce que quelqu'un comme vous fait dans un endroit pareil? Bon, voilà le plan. On va vous déguiser en laquais. Les frusques sont protégées contre le vol. Alors si elles pensent que quelqu'un essaye de les faucher, elles se téléphoneront, elles se téléporteront ici sans autre forme de procès. Avec vous encore dedans, vous devriez pouvoir arriver jusqu'à la comtesse avec votre message. Contentez-vous de sourire, de hocher la tête et de faire ce qu'on vous dit, mais ne causez à personne. Et évitez de croiser le regard de tout ce qui a des ailes où vous ne ferez pas illusion bien longtemps. Je trouve votre présence très vivifiante. Avec le démon, hein, bien sûr, avec le marcheur du vide. Hein, parce que pourquoi pas. Je peux utiliser aucun sort. Quoi? Qu'est-ce que... J'ai pas compris là. Pourquoi j'ai...
vous avez un boulot pour moi? Méfiez-vous bien des crocs. Je n'ai pas par hasard qui me termine ici. C'est mon... C'est mon marcheur qui m'a trahi, je crois. Enfin, qui s'est fait aggro, en fait. J'aurais dû le révoquer. Ok. Faut pas que je me fasse repérer, en fait. Un jeu d'enfant. Quel secret avez-vous à me livrer? Une invitation du prince Rénatal? Comme c'est exquis. Je ne raterai ça pour rien au monde. Ok. Donc ça, ce sera la fin. J'ai un peu de temps. Ouh, c'est loin. Non, j'ai un... Ok. Donc, il faut que je prenne le fly qui est là. Que je aille à Tombe Fierté. Et de là, je pourrais inviter le Haut Percepteur. On va essayer de faire ça en... dans les 20 minutes qui me restent. En vrai, eh. Non, je... Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, super. Merci beaucoup. Du coup... En vrai, je devrais pas sauter. Je comptais sauter. Ok, évidemment. Je comptais sauter, mais apparemment, le fly est plutôt en haut. Peut-être pas, il a l'air. Nous devons toujours nous battre pour garder le dessus. Utilisez les réserves d'anima que vous trouverez pour réveiller nos alliés et anéantir nos oppresseurs. C'était pas là. Les réceptions entre nobles sont aussi un moyen de maintenir un semblant d'ordre. Prenez l'apparence d'un purotin et veillez. Les réceptions entre nobles sont aussi un moyen de maintenir un semblant d'ordre. Prenez l'apparence d'un purotin et veillez à occuper nos ennemis avec assez à manger et à boire. J'ai l'impression que je fais fausse route, hein. Non, c'est là. Je l'ai. Ah, mais je l'avais jamais pris en plus, ce fly. Ok. Il y en a vraiment qui se déplace à pied. Quelle drôle d'idée. Oula, j'ai le son qui bug un peu.
C'est un peu. Entre nobles sont aussi un semblant d'ordre. C'est un peu compliqué hein, de se déplacer ici. A envoyé sa légion de pierre au quartier des Red Laves. J'ai apporté quelques modifications à mon fameux parasol afin qu'il absorbe. Nous revoilà au tout début. Ah, c'est bon. Si vous vous souvenez, on était là au tout début. Ah, évidemment, ça charge. Mais ne vise pas particulièrement bien. Aidez-les à faire parvenir l'aide à nos alliés postés sur les fortifications en contrebas. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer à une distance raisonnable du manoir. De l'échevin, bien des gens ici estiment encore que je mérite de croupir au fond d'un cachot. Il est trop dangereux pour vous comme pour moi de nous adresser directement au haut percepteur. C'est un être impulsif et trop prompt à satisfaire Denatrius. Mieux vaut donc dépêcher Temel. Le démon de pierre est l'un des messagers habituels de Ravendreth et rares sont ceux qui s'étonneront de sa présence. Il n'attend plus que vous. Soignez votre posture, surveillez vos arrières, et surtout, ne trahissez jamais votre peur. Et comment je vais là-bas, moi? Je saute? Let's go. Ah! Ah d'accord, ok. Sauf qu'il peut, c'est... Je reviens à ma zone de départ. Ok. Attendez, faut juste que je regarde. Forme de pierre. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, ça va être très simple alors.
Qu'y a-t-il ? Ainsi, le sombre prince passe à l'action pour s'emparer du trône. Il faudra un personnage avec assez de trempe pour l'arrêter. Oula. Ok, bah écoutez. Et donc je fais deux. Ok. Donc là je peux utiliser le 4 pour revenir. Très bien. Et il me reste la dernière invitation. Alors, le plus proche. Pas ton vice, ça serait de repartir par les remparts calcinés. Puis je prends la route. Les remparts calcinés, donc. Eh ben, je pense que ça sera lors de notre prochaine session de tournage. On ira voir donc ce troisième. Et n'oubliez pas, assurer la sécurité de nos passagers n'est pas notre priorité. On verra donc ce troisième maître, je sais pas comment on les appelle, ce troisième prince. Bon, là en l'occurrence, on va voir Draven. Et c'est pour voilà le créalite. On verra bien ce que la créalite, comment on aborde ça. Sur ce, je vous dis hop, tout de suite pour vous. Hein, et à plus tard pour moi. Que je vais me faire ça, moi. Et bonjour à tous et bienvenue. Je suis MDG Normandie. Enfin, pour vous, on est en plein milieu d'un épisode. Pour moi, ouais, peut-être une bonne semaine s'est écoulée. Des choses se sont passées. Déjà, il faudrait qu'on repasse dans l'antre. J'ai récupéré des souvenirs pour le Runum ancien. Donc ça, je les ai récupérés, c'est en farmant donc comment ça s'appelle, le Tourment. Je suis dégoûté pour Tourment, j'ai pas le high level nécessaire pour avoir toutes les cendres d'âme qu'il me faut. Il faudrait que j'arrive à passer un niveau en plus dans Tourment, mais il faut que j'ai un high level plus élevé parce que là actuellement je me fais défoncer. Du coup, ça sera pour plus tard. Quoi qu'il en soit, on va continuer donc nos quêtes. Ouais, au niveau pognon, ça va. Hein. J'ai 257 000. Bon, c'est pas... Je suis toujours loin des 5 millions, hein, mais bon. Et ben, c'est parti. On était parti pour voir le général Draven. Prétends. J'ai été façonné pour défendre le royaume de toute menace, même si elle vient du maître. Donc, je rappelle, hein, là, l'histoire, on est censé récupérer, enfin, retrouver, d'organiser une réunion avec trois des porteurs de médaillons qu'a confié le chef de Ravendreff. J'ai oublié ça. Délatrius, c'est ça ? Voilà, pour essayer de les joindre à notre cause et pouvoir renverser Denetrius. Nous marchons dans les ombres ailées. Excusez-moi. Nous marchons dans les ombres ailées.
de mes frères et sœurs d'armes, les vives pierres que je forme depuis qu'ils ont été sculptés. Il nous faut cependant accomplir un rite ancestral. Si nous parvenons à traverser ce pont à pied, en triomphant de tous ceux qui oseront tenter de nous arrêter, nous pourrons demander une audience à la mère des Vispières. Sachez cependant que rien ne garantit qu'elle nous laissera repartir indemne. Ainsi, veuillez ne pas l'offenser. Tout cela ne me réjouit guère. Nous faisons ce qui doit être fait. Qu'attendez-vous de moi? Ça loot ou ça loot pas? Ça loot pas. Du coup, à chaque fois, on va essayer d'en trigger qu'un sur les deux, hein. On va essayer de passer au plus près de celui qui... Je n'ai jamais voulu te tuer, Serpentier. Ne m'y oblige pas, je t'en prie. J'ai cru qu'il allait m'attaquer, mais en fait non. Je n'ai jamais voulu te tuer. Je n'ai jamais voulu te tuer, sœur de pierre. Ne m'y aurais-je pas. Donc il y a ce mec là, on va essayer de l'éviter. C'est bon. Avancez avec prudence. L'épreuve a beau être passée, les vives pierres n'attendent qu'un prétexte. Délisté de nos têtes. T'as le sac à PV, toi, sérieusement. Oh merde. Oh bah c'est bien, ça, là c'est nickel. Là c'est mort. Mais c'est pas trop grave. Ah, d'accord, ok. Uh-huh.
Bon, tant pis, hein, ça va être une autre mort, hein. Je n'ai pas grande affection pour les héros. Ainsi, Draven, tu t'obstines à servir le prince Renatal malgré ses nombreux échecs. Mère de Pierre, c'est Ravendress que je sers. À l'heure actuelle, il n'y a plus que le sombre prince pour ça. Avec l'aide de l'âme sans entrave, nous pouvons briser la soumission aveugle du maître au geôlier et à l'antre. Très bien. Alors je verrai ce que Renatal a à dire. À défaut d'autre chose, ça pourrait me permettre de mettre fin à ce conflit stérile qui déchire mes enfants. C'est bon, c'est... Ok. Ça a l'air d'être... Oula, 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 oula. Ça va descendre avant que j'y arrive. Non, c'est bon. De nouveaux purotins, entre autres choses.